Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo. Ben oui, je suis très occupée, voilà. Donc, pourquoi je viens vers vous aujourd'hui, 26 janvier 2023? Ben tout simplement parce que j'ai eu un message canalisé de l'archange Gabriel, les amis. Et où il me demande de vous le transmettre. Donc, ben voilà, j'obéis, n'est-ce pas? Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ce que je vous disais il y a quelque temps en arrière, que qu'on me disait aussi hein, dans mes canalisations, que le peuple va se révolter parce qu'il va y avoir encore une réforme ou quelque chose de ce genre qui va faire que, ben voilà, ça va sortir, ben nous y sommes. D'accord? Voilà. Lorsque je vous disais que ils étaient en train, je voyais même dans les cartes, hein, je voyais que ils étaient en train de, il y avait des réunions, ils étaient en train de mettre en place quelque chose, je vous disais, ils vont encore essayer de nous restreindre, je voyais, je sais pas, une sorte de réforme, quelque chose, je me rappelle plus exactement quelle vidéo, je vous laisse le soin d'aller les écouter. Ben nous y sommes, la fameuse réforme, ben c'était la réforme des retraites, voilà. Donc, quelque chose qui allait mettre le feu aux poudres, ok? Bon, aujourd'hui, je reçois un message canalisé de Gabriel. Je vais vous le lire. Et ben écoutez, écoutez-le. Voilà. Lisez, analysez. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et en général, quand ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est que nous sommes proches et ça ne va pas tarder. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire, qui va faire que l'armée va intervenir. On me parle encore de l'armée. Ok? Bon, pour les plus sceptiques, ben écoutez, je suis désolée, ben, passez votre chemin, hein? Voilà. Bon, parce que j'en ai marre de me faire de voir, de lire et de lire surtout certains commentaires, d'accord? Donc, heureusement que j'ai bloqué, hein, c'est moi qui valide les commentaires, voilà. Donc, s'il y a des commentaires qui ne me conviennent pas, et qui sont là pour plomber en fait le moral des gens, hein, parce que c'est pas nous, hein, c'est pas moi qui plombe le moral des gens. Voilà, c'est moi je suis au contraire là pour essayer d'apaiser justement, pour essayer voilà, de vous mener, de vous préparer aussi, hein, quelque part, parce que c'est un peu mon but, d'accord? Voilà, de vous informer. Donc, pour les trolls, voilà, vous serez nexté de suite, d'accord? Voilà, ça c'est passé. Alors, je vais vous lire, mes amis, je vais vous lire le message de l'archange Gabriel. Il faut leur dire qu'il va y avoir un mouvement de révolte dans quelques jours et qu'il faut vous unir. Les temps seront durs, mais vous gagnerez. Le gouvernement va vouloir vous enfermer, mais n'y parviendra pas. Il ne sera plus. Très bientôt, le peuple se révolte et se ré... le peuple se réveille et se révolte. Une annonce sera très virulente contre vous, mes enfants. Votre gouvernement veut vous diviser et vous enchaîner. Ne craignez rien, nous sommes à vos côtés. L'Europe est en train de tomber, mais vous, les peuples, serez heureux. Un homme arrive au printemps et vous libérera, mais restez unis. L'armée va bientôt prendre le pouvoir. Accueillez-les, ne soyez pas dans la peur. Un attentat se prépare et fera beaucoup de victimes, mais c'est la faute de la dame. Je vous laisse imaginer qui est la dame.
Elle a signé un accord qui va mettre en colère le peuple du Moyen-Orient. Soyez attentifs et ne tombez pas dans la peur. Rien ne vous arrivera si vous gardez la foi. Foi en nous, êtres de lumière, et foi en l'univers. Nous sommes tous à vos côtés, n'en doutez pas. Au printemps, vous serez plus libre, mais il faudra reconstruire ce monde, ce nouveau monde. Soyez solidaires pour rebâtir ce nouveau monde où il fera bon vivre, où l'argent vous sera distribué, mais gardez la foi. Voilà, les amis, le message que j'avais à vous transmettre. Concernant la personne qui doit arriver au printemps, moi, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on m'en parle. Voilà. Je ferai un tirage d'ailleurs sur cette personne parce que j'ai un nom. J'ai un nom. Voilà. Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je ne voulais pas m'engager là-dedans. Voilà. Mais je vous ferai un tirage sur cette personne. Je ne dis pas que c'est elle. Je dis simplement qu'il m'est venu. Voilà. Cette personne que je ne connais pas et je ne connaissais pas du tout, et voilà, j'ai fait des recherches bien sûr, et je pense au plus profond de moi que ça pourrait être elle, mais voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, en ce qui concerne les accords signés, effectivement, j'ai regardé un peu tout à l'heure et je suis tombée sur un article. Où la IEN, ben, l'Union européenne, le Parlement européen en fait, hein, avec bien sûr par l'intermédiaire de la IEN, a demandé à ce que, alors, il s'appelle les guerriers de la... Ah, je ne me rappelle plus le terme, je vous le mettrai. Alors attendez, comment ils s'appellent? Les guerriers de... Je vais vous dire ça. Bon, nous avons été coupés, je suis désolée. Donc ils s'appellent les guerriers de la Révolution. Voilà, les guerriers de la Révolution. Alors qu'est-ce que c'est les guerriers de la Révolution? C'est l'armée élite de l'Iran. Et en fait, l'Europe, la IEN, le Parlement, voilà, ils veulent voter une loi pour les mettre dans la catégorie, je vous donne un mille, terroriste. Voilà. Donc, ceci explique cela. Donc, il y a des menaces, évidemment, hein, bien sûr, sur l'Europe. Apparemment, ça devait être voté le 23 janvier. Donc, je ne sais pas. J'ai pas lu l'article. J'ai juste voulu regarder. En fait, j'ai tapé la IEN et j'ai tapé Europe, j'ai tapé la IEN, j'ai tapé un peu tout. Voilà, c'est pour ça que je ne retrouvais pas l'article. Voilà, les amis. Donc, bref. Pas d'inquiétude. On reste sur la même lignée. Surtout vous, restez sur votre ressenti depuis le début. Restez, ne tombez pas dans les peurs. Ça fait longtemps que je le dis. De pas tomber dans les peurs, de pas tomber. Vivez, soyez heureux. Voilà, tout simplement. On a 2 mois à patienter encore à peu près, où il y a de grosses choses qui vont se passer. Parce que ce qu'on voit là actuellement, les grèves, voilà, c'est le blocage du pays, les grèves, tout ça, c'était annoncé. C'était annoncé déjà depuis un petit moment, et puis c'est nécessaire. On est obligé d'en passer par là. Donc, il faut le prendre avec du recul. On ne peut pas se permettre de laisser tomber. Il faut être avec, il faut être unis et solidaires. On ne peut pas se permettre de laisser tomber les artisans. De laisser tomber toutes ces personnes bon là on va dire des factures d'électricité, mais c'est plus profond que ça en fait. C'est plus profond que ça. Donc
Lorsqu'on me dit rester unis et solidaires, oui, il faut rester unis et solidaires. Voilà, c'est tout. Et il y a de belles choses qui arrivent. Il faut garder la foi, il faut avoir confiance en l'univers, il faut faire appel à lui, hein, si vous êtes dans des difficultés. Mais ils sont là, sachez-le, ils sont là pour nous. D'accord? Voilà les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, bien sûr, hein, pour les personnes qui viennent de me découvrir. Hein. Je fais de gros bisous à mes abonnés. Et puis moi, je vous dis, bah, écoutez, à très vite, gardez la foi, tout va bien se passer. Et ce qu'on vit là, j'ai une mouche quelque part là qui m'énerve. Et ce qu'on vit là, ne vous inquiétez pas, c'est le début du commencement. D'accord? Voilà. Je vous embrasse, mes amis. Thank you.